Michael Gère. Je suis musicien depuis l'âge de 5 ans et je suis issu d'une famille de très nombreux musiciens depuis 5 générations. Et j'ai un parcours un petit peu chaotique qui m'a mené sur scène, en studio, dans plein de styles de musique assez différents. C'est ma première expérience sur une musique de jeu vidéo, je suis très content. Alors sur scène, je joue du piano, du synthé, de l'accordéon, des percussions. Mon entrée dans l'équipe est assez marrante parce que en fait, j'ai rencontré Omar en 1998 et il m'a dit « Est-ce que tu connais les musiques de Wonder Boy 3 ?» Donc je lui ai joué les musiques de Wonder Boy 3 et il m'a dit « J'aimerais vraiment faire un remake un jour de ce jeu, est-ce que tu serais partant pour travailler dessus ?» Ce à quoi j'ai répondu évidemment « Oui, mais j'avais oublié. » En fait, je voulais dès le départ enregistrer des vraies cordes parce que je trouvais que les sonorités des cordes programmées violon, contrebasse, violoncelle, etc. À l'ordinateur ou avec des sampleurs avaient un côté toujours un peu raide. Et je suis partisan de faire travailler les vrais musiciens plutôt que les remplacer par des machines. J'avais pensé les arrangements comme des musiques plus longues en fait et qui ont toutes des fins. Alors que dans le jeu original, elle boucle, donc il n'y a pas de fin. Le fait d'avoir utilisé des instruments avec des couleurs assez marquées, même si les gens n'ont pas forcément connaissance de ces instruments, ça donne une couleur qui est vraiment, je sais pas, par exemple le cymbalum que j'ai utilisé dans le désert, même si les gens ne savent pas forcément d'où vient le cymbalum ou le oud, de suite ça leur donne un côté un peu oriental, ils arrivent à situer l'origine de la musique, et je pense que ça accompagne et soutient l'image du désert. Lors de l'écriture de la musique de la forêt avec la souris, au départ, Ben m'avait parlé de Danny Elfman. Et je trouvais dommage de rester dans cette ambiance-là, que je trouvais très jolie. Après, on se retrouve dans la jungle avec tout un tas de chauves-souris, de squelettes qui attaquent la souris. Donc, j'ai voulu quelque chose d'un tout petit peu plus volontaire. Et je suis parti sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir, mais je pensais à l'univers d'Astor Piazzolla, où il y a une grande violence au niveau de l'interprétation, et je me suis dit, je vais partir sur un morceau un tout petit peu tango. Initialement, j'avais une impression plutôt négative à propos de la musique que je trouvais très répétitive. Et quand Omar m'avait proposé de travailler dessus, j'étais content de travailler sur le projet plus que sur la musique en elle-même. Et finalement, en passant du temps, parce que j'ai passé quasiment 2 ans sur cette musique à chercher des idées, j'ai appris à découvrir cette musique et finalement à l'apprécier. Et je trouve que le travail de Shinichi Sakamoto est quand même assez remarquable parce qu'il a fait des mélodies qui sont assez accrocheuses et bien pensées. Il y a eu de nombreuses difficultés pour la création de ces musiques, enfin l'écriture de ces arrangements, parce que j'ai voulu rester au plus proche en fait, des musiques originales de façon à ce que les fans de la version originale ne soient pas perdus et retrouvent vraiment les mélodies qu'ils avaient appréciées. Donc de rares fois, je me suis permis de transgresser un tout petit peu soit la structure du morceau ou alors une harmonie par-ci par-là très, très discrètement. Mais, bon, parce que, je pensais que ça pourrait rajouter quelque chose d'intéressant à la musique. J'ai essayé même de conserver la vitesse des musiques d'origine en 60 Hz.
petit peu comme Michael. Moi, je suis compositeur, en fait, normalement. J'ai fait beaucoup de sound design de jeu dans le passé. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je fais plutôt occasionnellement. Et sur un jeu comme Wonder Boy, je pouvais juste pas dire non, en fait. Je travaille dans le jeu vidéo depuis 19 ans maintenant. Ça fait 19 ans que j'ai eu mon premier chèque pour une musique de jeu vidéo. Mon rôle sur Wonder Boy, c'est de créer et implémenter dans les gens le possible tous les effets sonores, les ambiances sonores. Et donc, comme c'est un remake d'un jeu existant, il y a une question que je dois me poser pour chaque bruitage, c'est qu'est-ce que je fais du bruitage original? Est-ce que je fais quelque chose de mieux, de différent, ou est-ce que je réintègre le bruitage original en partie dans mon son? Parce qu'on parle quand même d'un jeu qui date de 1989 et aujourd'hui les attentes ne sont pas les mêmes. Comment on fait un bruitage pour un jeu vidéo? La question est vaste. Ça dépend du bruitage. Est-ce que c'est un bruitage qui est associé à quelque chose de physique dans l'univers du jeu? Est-ce que c'est une épée qui tape un bouclier, par exemple, c'est très physique? Il y a pas mal de bruitages où j'ai repris complètement le bruitage Sega Master System d'origine, que j'ai intégré, parfois discrètement, et sur lequel j'ai rajouté une couche physique nouvelle. Par exemple, le bruit quand on ouvre les portes, ou le bruit quand on ouvre les coffres. Sur le jeu d'origine, c'est un petit son 8 bits qui fait bip, qui monte, il y a quelque chose de très mélodique dedans. Et quand on remplaçait ça uniquement par une vraie porte qui grince et qui claque, il manquait un petit peu quelque chose de plus joueur dans l'univers. Si on tend l'oreille, par exemple, sur le bruitage de la porte, on peut encore entendre par-dessous le bruitage d'origine dans le jeu. Donc, ouais. J'utilise pas mal d'objets dans la création de bruitage. En fait, j'essaye au maximum de pouvoir créer les choses moi-même. C'est fou tout ce qu'on peut trouver dans une maison qui produit des sons très intéressants. Et, par exemple, les sons d'attaque d'épée, c'est donc, si on tend l'oreille, il y a deux couches. Il y a une couche qui fait ouf, comme ça. Donc ça, c'est une raquette de badminton que je mets sur sa tranche et que j'agite devant le micro. Et pour avoir le côté un peu tranchant qui fait un peu peur d'une lame bien aiguisée, j'ai simplement pris le couteau de chef que j'ai fin comme ça. Voilà. Alors ça, je le fais 100 fois et pour chaque objet. Et puis là-dedans, il va y avoir une prise ou deux qui ont quelque chose qui va bien passer à la répétition, quelque chose de jeu vidéo en fait qui est déjà dedans, c'est étrange, mais voilà. Les sons des crabes, c'est des bols en bois, quand c'est des bols en bois que je cogne les uns contre les autres, ce genre de choses. Les pas des personnages, c'est moi avec mes petits chaussons sur mon petit tapis. Un son dont je suis assez fier, mais j'ai dû racheter une casserole en fait après, c'est le son des impacts sur le bouclier du héros. C'est un mélange de plusieurs cuillères en bois et en métal où j'ai fracassé le couvercle de ma casserole. Après, j'ai appliqué des filtres là-dessus et voilà. Au départ, on pouvait penser qu'il s'agissait peut-être de juste remplacer les anciens sons par des versions modernisées. Et en fait, on se rend compte que si on fait ça, il manque plein de choses. Donc en fait, il faut trouver tous les endroits dans le jeu où il manque des sons qu'il n'y avait pas à l'époque, mais avec les nouveaux visuels, ces sons-là, en fait, s'ils n'y sont pas, ça nous manque. Un exemple très bête, c'est les pas des personnages. Maintenant, quand les personnages marchent, quand le joueur marche dans le jeu, il y a un petit bruit de pas discret. Parce qu'avec ce type d'animation détaillée, etc., ne pas entendre les pas. En 1989, ça passait sur un jeu 8 bits, aujourd'hui, ça passe moins. Donc on a besoin de ces indices sonores-là. J'ai été très très content de pouvoir participer à ce projet. Vraiment, ça a été un plaisir de travailler avec Omar, Ben et Romain. Vraiment, qui sont des gens extrêmement talentueux, ouverts, et notamment Omar a une vision vraiment d'ensemble du projet. Vraiment, je suis très 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 fier d'avoir travaillé sur ce projet-là, vraiment. Et quant à travailler éventuellement sur un autre projet de jeu, ça sera avec très grand plaisir, mais il y a tellement de jeux qui gagneraient à être refaits comme on a refait Wonder Boy 3. Travailler sur un remake, c'est quelque chose qui, dans le concept à la base, je suis pas trop pour, parce que moi j'aime pas trop les remakes en fait. Après, il y a des jeux pour lesquels il y a des exceptions, notamment Wonder Boy c'en est une, et je pense à plein d'autres jeux qui en seraient,
et pouvoir participer à un remake d'un jeu de ce calibre, c'est un privilège. Et je suis hyper content d'avoir pu travailler dessus. Et je re-signe tout de suite pour un autre s'il y a l'occasion. Voilà.